Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 17 mars et d'ici une heure et quelques on sera donc confiné chez nous pour le bien de tout le monde. Mais j'ai prévu de faire plein de trucs aujourd'hui vu que ma mère travaille encore, je suis toute seule chez moi. Je suis rentrée hier de Toulouse parce que bon, j'allais pas vivre 2 semaines dans mon 25 mètres carrés, ça allait pas être possible. Et en fait je viens de rentrer du petit supermarché de mon quartier et genre c'était... des scènes de démence. Les gens ils sont dingues en fait. Ils achètent je sais pas combien de kilos de pain, de viande. Il y avait plus de conserve, il y avait plus rien. Et genre je cherchais des serviettes hygiéniques. Si vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il n'y en avait plus un paquet. Genre vous avez combien de fois vos règles par mois les meufs là? C'est quoi? C'est un truc de dingue. Et bon ça m'a gonflé. J'ai acheté, en fait je voulais juste acheter de la viande pour midi quoi. C'était même pas dans le but de faire des réserves quoi. Et j'ai même pas trouvé ce que je voulais, donc voilà. Et j'ai acheté donc du thé et de la viande surgelée, parce qu'il y avait que ça. Donc voilà. Et je suis rentrée et là je vais me mettre à ranger. Donc je vais vous filmer un peu ça parce que j'ai ramené donc beaucoup de choses dans ma valise et je veux les ranger parce que sinon ça va être le foutoir. Et je vais faire le ménage, enfin le truc que j'aurais jamais eu le temps de faire avant. Que le week-end je fais pas, donc là c'est l'occasion ou jamais de faire un grand ménage, de ranger et après je vous dirai ce que je fais, je sais pas du tout, juste l'histoire de m'occuper quoi. En fait, j'ai ramené tout mon matériel pour faire des vidéos. Donc j'ai ma ring light, j'ai mon micro, j'ai plein de fils, j'ai mes câbles HDMI, j'ai mon ordi de boulot, mon ordi perso, tous les chargeurs et tout. Et je voulais faire une boîte parce que là, dans ma valise, je vais pas le laisser là 2 semaines, voire plus, puisqu'on sait pas jusqu'à quand ça va se passer, quoi. Donc j'ai trouvé une boîte vide sous mon lit en faisant le ménage. Donc je vais y mettre tout ça pour avoir un peu de la place dans ma chambre parce que déjà qu'on va y passer 2 semaines, il faut qu'on peut ce soit un peu ordonné quoi. Donc voilà. Ramener du chocolat du travail. J'allais pas le laisser périr, enfin vous êtes fous. J'ai ramené aussi le livre que m'a acheté ma mère ce week-end, que j'avais pris donc avant-hier et que j'ai ramené hier. Donc voilà, je l'ai même pas commencé. Ce sera l'occasion. Hein. En fait j'ai pris mon ordi de boulot mais je suis pas du tout censée travailler puisque je suis en chômage partiel, comme ils appellent ça. Et je l'ai juste pris en fait pour pouvoir avoir les données pour écrire mon mémoire que je dois rendre fin mai. Donc je sais pas si on aura à le rendre ou pas, mais en tout cas je vais avoir tout à portée de main si jamais j'avais besoin des données, tous les tableaux Excel que j'avais fait avec les données de la boîte et tout. Donc je l'ai pris, mais là je vais regarder les mails. Bon je suis partie hier soir hein, donc je pense pas que ce soit affolant. Il est midi moins le quart et ma mère rentre à midi, donc il va falloir que je vais faire manger. Ça, si ça rentre. Maman, que dis-tu? Je rentre. Shit.
Est-ce que vous aussi, quand votre mère vous dit qu'elle rentre, genre vous avez la pression de fou, vous aviez rien fait, vous avez toute la bouffe à faire et tout? Donc j'étais partie quand même dans l'optique de ranger ma chambre. Et j'ai foutu encore plus le bordel. Mais cet après-midi, je vais finir. Ça va être top. Yo, on se retrouve après manger. J'ai mangé les meilleures spaghettis bolognaises en fait que je n'ai jamais faites de ma vie. Ça, c'est l'effet confinement. On est obligé de cuisiner bien, sinon on va devenir fou en fait. Et après vouloir vous filmer la suite de mon rangement, je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer avec un état de mocheté autant avancé en fait. Les autres jours de confinement seront très certainement sans maquillage. Je vais pas m'amuser à me faire un bête de make-up tous les jours. Pour voir qui, pour plaire à qui, à part à moi-même. Donc c'est parti, j'ai mis ce matin ma crème de jour. On dirait un rideau. Rien ne va plus, pourquoi je me filme dans cet état? Rien ne va plus. Temporary love for multiple women, situationships with all of my women, but I keep them confidential. Yeah, I keep them confidential. Baby, keep it confidential with everything that we do, cause it's nobody business but me and you. I know my lifestyle different, all these rumors know it's hard for you to listen. Hard to make decisions with me, there ain't no switching. Baby, let me put you in a vibe now. Baby, let me put you in a vibe now. I don't wanna waste your time now. It mean no bad man, girl, I just like to have fun, girl. Your ex-man, yeah, he a bad one. But I don't like him, me no bad man. No, no, me no bad man, no, no. Started off as friends, baby, took you for your man, baby. First girl, but my heart don't know how to feel. Next girl, pay the privacy and keep it real. Ain't gon' lie, I text my ex sometimes. I really get it kinda hard not to flex sometimes. They had to give me, yeah, I wonder if I'm next sometimes. And I ain't always trying to fuck, I want. Malheur, ce n'est pas cassé. Ce n'est pas cassé. Encore une chance. Voilà, je suis pimpée au top pour pouvoir ranger ma chambre. Il me fallait ça, franchement, ça me redonne un gain d'énergie là. Si on pouvait faire juste un avant-après pour qu'on voit un peu l'étendue de l'arnaque, quoi. Parce que franchement, les filles, on est vraiment des arnaques. Là, ce bordel, c'est plus possible. Hein. Là, c'est plus possible. Ça c'est un mini bloc pour faire des croquis. Et ça c'est des feutres et un crayon exprès pour faire du lettering. Vous savez, l'art d'écrire des belles lettres là. Donc je me descends tous les trucs que je vais utiliser cette semaine, je pense, pour m'occuper. Donc j'ai mes livres, j'ai mes feutres, j'ai mon canevas que j'ai trouvé ce matin dans mes affaires de Toulouse. Le canevas pour broder. Donc ça, c'est une BD que j'ai eue pour mon anniversaire également, à Agrippine, je sais pas si vous connaissez. C'est un truc un peu féministe, un truc sympa, un peu drôle, qu'il faut que je commence, que j'ai pas commencé encore. Genre rien que l'image, c'est trop drôle. Bref, il faut que je m'y mette à tout ça. C'est vraiment le moment jamais, je sais pas si ça tombe bien dans vos vies, mais pour moi, perso, ça tombe bien. Je vais avoir plein de trucs à faire.
Ça, c'est des bouts de magazines que j'avais commencé à découper pour décorer mes portes de placard qui sont toutes blanches. Comme j'ai fait un peu dans mon appart à Toulouse. Bon voilà, le résultat final de mon rangement. J'ai rangé tout mon bureau, j'ai mis mon maquillage, j'ai rangé tout ce que j'avais ramené de Toulouse, mes bijoux et tout. Là c'est les chapeaux que j'avais mis en place dimanche, avec seulement un clou, et j'ai mis les chapeaux un peu en décalé comme ça, je trouvais ça trop sympa. J'ai rangé bien évidemment mon lit, parce qu'il y avait un tas de trucs dessus. Là j'ai réarrangé un petit peu ma table de nuit. Et voilà, c'est tout pour cette journée numéro 1 de confinement. Je trouve que je me suis plutôt bien occupée. Demain on verra ce qu'on fait. Je pense que je vais commencer à faire des activités manuelles. Là il est que 14h30, mais je pense que je vais monter cette vidéo et puis la poster ce soir si je peux. Et puis faire plein d'autres choses, je pense, passer l'aspirateur dans toute la maison, enfin des trucs que je vais pas vous montrer parce que c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'était tout pour le gros rangement de ma chambre qui va peut-être pas durer, je sais pas. Mais voilà, moi j'aime trop regarder les vidéos des gens qui rangent, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo si c'est pas déjà fait. Je pense qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo parce que je vais essayer d'en filmer plusieurs vu que j'ai à peu près que ça à faire. Donc on se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre famille. Voilà, à la prochaine. Bye.